Il y a des moments où l'histoire vous appelle, des moments où la décision à prendre vous engage, des moments où, quel que soit le choix pris, la voie choisie, notre responsabilité est engagée. Parce que dans ces moments-là, nous sommes, quoi que nous fassions, indéfectiblement liés aux autres. Ce moment est de cela. Vous êtes médecin, soignant, et face à vous tous, sonne l'heure du choix. Le choix de s'engager face à la loi Touraine, ou le choix de laisser faire. L'heure de votre responsabilité sonne. La loi Touraine fait de l'État le responsable de la politique de santé. Elle met en place le tiers payant généralisé, rend le médecin dépendant du financeur et surveille sa pratique au travers du dossier national médical partagé. Quel sera votre choix ? La loi Touraine bafoue et détruit le secret médical, ouvre l'accès du dossier médical partagé à des non-soignants, crée une base de données patients, autorise son accès et la vente des données au marché. Quel sera votre choix ? La loi Touraine donne tous les pouvoirs aux ARS. Détermination du lieu d'installation, obligation de regroupement, imposition des projets médicaux. Quel sera votre choix ? La loi Touraine permet le désengagement de la sécurité sociale, l'augmentation de la part de remboursement par les complémentaires. Elle précipite donc la médecine dans les réseaux de soins. Elle livre le financement du soin au privé. Quel sera votre choix ? La loi Touraine déchire la médecine de France, supprime la liberté des médecins et des patients, nie leur indépendance. Elle rompt avec des siècles de médecine individualisée, construit une médecine aux ordres d'autres intérêts que le soin. Nous sommes médecins. Nous sommes soignants. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes porteurs et relais de valeurs. Nous donnons la vie. Nous faisons face à la souffrance. Nous sommes confrontés aux drames les plus terribles, aux peines insoutenables et aux joies les plus belles. Nous savons les regards, les gestes les plus anodins. Nous sommes pétris de doutes. Nous savons la complexité de l'humain. Si la technique et les progrès de la science font notre art, jamais nous n'oublions que chaque homme est unique. Nous sommes garants du secret, porteurs de la confiance qui nous est donnée. Nous sommes les gardiens d'un temple, nous sommes un ciment sociétal. L'heure du choix sonne, et c'est ici, et maintenant. Jamais il n'y eut de choix plus important, jamais de responsabilité plus grande. Parce qu'au-delà des apparences et de la communication, au-delà des chiffres et des statistiques présentées comme nécessité, nous savons les conséquences, nous savons les risques. Indispensable, humain pour les humains. Chacun plus important encore à l'heure de la médecine 2.0. Nous ne pouvons nous exonérer de notre devoir de parole et d'action. La loi Touraine est une loi de rupture sociétale. Elle ouvre grand la porte des porteurs de certitude. Du faux prophète du marché aux décideurs dogmatiques, elle fait de la santé une ressource économique. Elle oublie l'homme derrière la cohorte, elle fait du médecin un outil, du patient un chiffre. L'heure du choix sonne, et il nous appartient maintenant de nous lever et de trouver en nous le courage de résister ou de nous taire et de prendre l'entière responsabilité des drames annoncés. Je ne suis qu'un médecin parmi vous tous, un médecin formé, construit par la médecine de France. Je fais le choix de la liberté de soigner. Je fais le choix de l'indépendance. Je fais le choix du secret médical, celui de la protection de l'éthique et de la déontologie. Je fais le choix de l'homme face à la finance et au marché. Je fais le choix de la responsabilité face à l'obéissance. L'heure du choix sonne. Médecin, soignant, quel sera votre choix ? Quel sera votre choix ?